Salut. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 14 février, c'est la Saint-Valentin, enfin plutôt la Saint-Valentin pour ma part. Il est 10h02. Aujourd'hui je vous prends dans un vlog puisque j'ai pas mal de choses à faire et je me suis dit que j'allais vous emmener dans ma journée. En ce moment je suis à fond dans les vidéos de Lootiful et elle fait énormément de vlogs et ça m'a grave donné envie d'en refaire puisque de toute façon c'est mes vidéos préférées. J'adore les vlogs et en plus c'est l'occasion de tester les vlogs avec ma caméra de vlog. Ça tombe bien, c'est fait pour ça. Premier vlog avec ma nouvelle caméra, j'espère que je vais y arriver. Je pense pas filmer tous les plans avec ma caméra. Il y aura sûrement des plans que je vais filmer avec mon téléphone puisque je vais vous expliquer le programme du jour. Aujourd'hui on est lundi, je dois travailler pour les cours, finir de ranger ma chambre, passer un petit coup d'aspirateur, je dois aller faire des courses pour la route puisque je pars mercredi. Ceux qui me suivent sur Instagram vous savez pourquoi. Faut que j'aille vraiment faire des courses parce que là c'est là mon frigo, là c'est la grosse dèche, je vais vous montrer. Regardez, franchement c'est la dèche, ça fait trop pitié. Ça c'est pas mon étage, donc ça va. Ça, c'est mes étages. Il n'y a rien. Il y a juste une crème fraîche. Franchement, ça fait trop pitié. Donc, il faut vraiment que j'aille faire les courses. Une catastrophe. Et ensuite, là, je vais aller me faire une petite tête. Enfin, je vais aller me faire une tête. Je vais aller me coiffer. Je pense que je mettrai un bonnet pour sortir. Ensuite, je vais aller faire mes petites courses. Je vous ferai un retour de course. Voilà. Et de toute façon, je vais vous emmener dans ma petite journée. J'espère que ce vlog va vous plaire. En tout cas, je vais reprendre les vlogs beaucoup plus régulièrement sur ma chaîne. Parce que j'adore les vlogs. C'est vraiment ma catégorie préférée. Et je sais que vous aimez bien aussi. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. D'ailleurs, c'est le premier vlog de l'année 2022. Donc, c'est cool. Je vous mettrai le dernier dans le i ou en barre d'infos. C'était le Instagram contre ma journée, je crois. Allez, c'est parti. Regardez ce que ma mère, elle a cueilli. Tu l'as cueilli où déjà, les trucs de fleurs? Bah, là, pas loin de chez nous. Elle a trouvé des jonquilles sauvages, c'est ça? Des jonquilles, je sais pas si elles sont sauvages. Dans le bois, peut-être. Oh là là, le focus, comme il est trop beau. Je suis choquée. En fait, ça fait net sur le truc et flou derrière. En plus, c'est pas très beau hein, ce qu'il y a derrière. Mais justement, c'est flou. Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Me voilà prête. Donc voilà, bon, je vous fais pas mon petit outfit du jour parce que... Oula, bah, j'ai failli tomber. Parce que je suis pas dans la situation. C'est fou comme avec un bonnet, on a l'air coiffé. Alors qu'en vrai... Bah pas du tout. En dessous, c'est le bordel. Mais là, ça va. Donc je pense que pour les courses, je vais pas prendre cette caméra-là. Je vais prendre mon téléphone parce que déjà, je vais pas oser sortir ma caméra à 800 balles dans la rue. J'ai peur de la casser. Enfin, pour l'instant. Et surtout, j'oserais pas la sortir dans un magasin. Donc, voilà, je vais vous prendre un iPhone pour aller faire les courses. Et ensuite, je vous reprendrai pour faire un petit retour de course. Alors, c'est l'heure du retour de course. Donc j'ai pris, j'espère que je suis nette, j'ai pris des pâtes, c'est à l'envers, des yaourts au citron, encore des pâtes, j'ai pris des nuggets, celle-là j'adore. Je voulais grave prendre des cordons bleus, mais ils ont augmenté le prix, c'était presque 4 euros. Donc 4 euros pour des cordons bleus. Non merci. Ensuite, très intéressant. Du PQ, des pommes noisettes. Ensuite, je me suis repris de la sauce barbecue. En fait, je sais jamais si ça fait le focus. Là, non. Voilà.
J'ai pris une petite boîte de raviolis, parce que ça peut toujours servir. Des croque monsieur Herta, je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Ils sont trop bons. Du gruyère râpé, évidemment, pour aller avec les pâtes. En fait, si je me mets devant, ça fait focus sur ma tête. Voilà. Des petits Pringles. Voilà. Pour le matin, je voulais prendre des brioches, mais il n'y avait plus chocolat au lait. Du coup, j'ai pris des peach, chocolat au lait, avec une barre à l'intérieur. Des compotes. Parce que c'est trop bon, les compotes. Des tomates... Merde ! Ah bah super, je viens de faire tout tomber. Des tomates cerises. Putain, le truc, il était ouvert, j'ai tout fait tomber. Mais c'est pas possible. Ensuite, j'ai repris des pâtes. C'est pas des spaghettis, celles-là. Elles sont plus épaisses et elles sont trop bonnes. Et je crois que c'est tout, hein. Ah non, pas du tout. Ensuite, j'ai pris une salade iceberg. Mes préférées, celle-là. Du poulet en aiguillette, comme ça. Un jus d'orange. Le innocent, il est trop bon, celui-là. Et des petits saucissons. C'est parti, je vais ranger maintenant. C'était que des mecs habillés en robe de fille, hein, enfin avec des costumes. Oh, j'aurais dû prendre des photos, je n'ai pas pris de photos. Et à la fin, t'as le chorégraphe qui est venu sur scène. Et en fait, il nous a fait danser tous dans la salle pour nous décarméniser. J'ai rien compris, mais ok. Le spectacle, c'était Carmen. Ouais. Un peu loufoque et tout, toi, c'est... Ouais, je connais, je sais ce que c'est. Mais donne-moi le... Théâtre libre. Donne-moi le flyer. Théâtre libre. Ça joue jusqu'à quand? Oh, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pour prolongation. Je sais pas. Si ça vous intéresse, c'est à Paris. Regardez comment il fait beau. Oui, il y a un peu des nuages, mais je sais pas si je mets le doigt sur le micro, ça m'énerve. Bon, je vous reprends en mode fée du logis. Je vais faire du ménage. J'ai sorti l'aspirateur. Il est là, juste là. Je vais passer un petit coup d'aspirateur. Avant, je vais ranger parce que c'est un peu le bazar. Enfin, pas trop, mais... J'ai juste mon lit à faire, enlever ça de mon bureau, voilà. Bon, sinon ça va, hein. Franchement, c'est pas si pire. Je vais essayer de trouver une place pour vous poser pendant que je fais tout ça. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Oui, bon, j'ai un peu beaucoup de câbles qui drainent. Pour ceux qui se demanderaient d'où vient ma housse de couette et ma tête d'oreiller coude large, je l'avais eu à Primark à l'époque, à Créteil Soleil, je me rappelle, quand c'était la mode des collections Harry Potter, mais je crois que c'est plus dispo. Ou alors si c'est encore dispo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime beaucoup. Je vous avais pas montré d'ailleurs, quand j'étais revenue de mes vacances de Noël, j'étais chez mon père. J'avais pris mes DVD qu'il y avait là-bas, donc j'ai pas pu tout prendre parce que j'avais mes sacs pleins à craquer. Donc j'ai repris tous mes DVD de ma série préférée, donc les Farscott. Il me manque encore mes DVD de How I Met Your Mother que j'ai pas pu prendre et mes Harry Potter. Il m'en reste qu'un ou deux, je crois. Il me reste que celui-là. Ici, je les avais tous emmenés chez mon père. J'ai que l'Ordre du Phénix. Il me manque tous les autres. Mais sinon, j'ai pu ramener tous mes DVD Les Frères Scott. Donc, j'ai toutes les saisons de la 1 à la 9. Voilà! Je les trouve trop beaux. Même s'ils sont pas tous pareils, c'est un peu chiant. Là, ils sont petits. Là, ils sont gros. Après, ils sont re-petits. Bref. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, Les Frères Scott, c'est ma série préférée. Et ma saison préférée, c'est la 6. C'est celle-là. Je l'adore. Et si vous avez toujours pas vu cette série, déjà, qu'est-ce que vous attendez? Et elle est dispo sur Prime Video, si vous avez Amazon Prime. Donc voilà. Toutes les saisons sont dispo, normalement. Je vais re-ranger. Hop. Et en ce qui concerne mes CD, ça a pas bougé. J'en ai pas racheté depuis.
Mais j'aimerais bien peut-être en racheter d'autres. Bon, je vous reprends. Il est 15h37. C'est l'heure de bosser pour les cours. Donc, en ce moment, je bosse sur ma tablette. Il y a une vidéo de prévue, de toute façon, sur comment je prends mes cours. Regardez le temps, ça commence à se gâter. Il va pleuvoir. Non. Je sais pas si on voit les gouttes. Ah voilà. Il est 16h30, c'est l'heure du goûter. J'ai le soleil dans les yeux. Il refait beau, le temps est bipolaire aujourd'hui. J'ai repris un petit jus d'orange et un peach pour goûter. Parce que ouais, ça avait un peu faim. Là, soleil dans les yeux là. Trop bizarre ce temps. Je vais me poser avec mon peach et mon iPad devant une vidéo. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau vlog. Tant que j'y pense, j'ai toujours voulu faire ça. Bonsoir. Ça donnait pas du tout ce que je voulais. Voilà, attends, connais comme ça. Salut. Oh putain, j'ai raté. Je me fatigue. Comme je regardais un vlog de Lou et dedans elle parlait de shampoing sec Baptiste. Du coup ça m'avait pensé que j'en avais. Et comme j'ai les cheveux, bon, on pourrait faire cuire des frites sur ma tête. Je me suis dit que j'allais en mettre. Je sais qu'il y a plein de marques de shampoing sec, mais moi celle-là, c'est mes préférées. Voilà. Très intéressant ce que je dis. Je vais me coiffer avec vous dans le retour, j'espère que vous ne m'ouvrez pas. Y a des trucs chelous dans ma tête, faudrait que je me ressente sur moi-même. Me, myself and I, me, myself and I. Du coup, ce que je vais faire pendant que je fais ma petite pause là et que je travaille pas, c'est que je vais transférer les fichiers de ma carte SD sur mon ordinateur pour pouvoir la vider, parce que c'est une carte de seulement 32 gigas, ce qui est très très peu. Je vais transférer ça pour la vider, pour pouvoir filmer la suite du vlog. Ce qui est un peu chiant avec cette caméra, c'est qu'il faut dévisser le trépied pour pouvoir enlever la carte SD. C'est pas très pratique. Attendez, vous voyez pas? Si, vous voyez. Voilà, pour pouvoir enlever la carte, il faut enlever le trépied. C'est un peu chiant. Voilà, elle est là, la petite. Et ce qui est chiant aussi, c'est le fait que le retour soit sur le côté. Ah, il est sur le côté et pas au-dessus. Et ça, c'est pas très pratique. Puisque du coup, ça prend en fait deux fois plus de place. Alors que s'il était là, ça prendrait pas trop de place. Voilà, mais c'est les deux gros défauts. Et la batterie. Mais bon, ça, c'est tous les appareils photo, j'ai envie de dire. Regardez ce que ma mère a fait. Un petit cake. C'est quoi déjà? Chorizo. Chorizo, maroilles. Maroilles. Il est beau, mais... Enfin, il a l'air beau, mais pas beau. Mais il est bon. Mais il est bon. Et il y en a un autre. C'est quoi? Champignons, olives, ail, persil. Moi, je veux un tout petit bout, moi. Ah, mais c'est beau comme ça. T'as pris le truc pour les crêpes. Bah, il faut bien que je les emporte. Oui. Je les présente. Ça passe. Oh, le focus, il est incroyable! Je peux pas, tu veux pas me filmer, s'il te plaît? C'est particulier quand même, non? Mais ça va. Non, c'est bon. Ouais, j'ai eu un cake gratuit. Et celui-là, je peux goûter ou pas? Bon, moi, je t'attends, hein! Qu'est-ce que c'est que ça? Du goudron? Maman, c'est quoi le truc noir dans la tasse? La tasse! Le bol! Ouais! Ah!
On dirait du goudron. Bon, je vous reprends que maintenant, il est 19h05. Je vais commencer à me faire tout doucement à manger. Je pense que je vais me faire une salade. Voilà, rien d'extraordinaire. N'importe quoi, genre des frites, de la moussaka, genre j'ai rêvé de moussaka ce midi. Un hamburger, je voulais des tartines de fromage, enfin bref. Trop faim de salé, du coup je vais manger une purée. C'était aussi ma faute du soir. Franchement, ce soir, je vais rien faire. Les notifs Instagram. Je pense que ce soir, je vais juste regarder des vidéos dans mon lit. Donc, vraiment rien d'intéressant. Voilà, je pense que je vais vous laisser et arrêter ce vlog maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de reprendre les vlogs, même si là, c'était un vlog maison, donc pas beaucoup d'action. Mais voilà, je vais essayer de faire plus de vlogs, comme je vous ai dit au début. Je sais pas quel sera le rythme de publication des vlogs, peut-être un par mois, je sais pas, je vais voir. En tout cas, j'adore ce format et c'est super cool et je vous prendrai peut-être dans des jours où il se passe des trucs un peu plus intéressants que là, je suis restée à la maison toute la journée, c'est pas non plus la folie. Mais ouais, si je sors ou si je vais visiter des trucs ou des événements ou voilà, je vous emmènerai avec moi. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.